Pourquoi le marketing digital en 2022 est indispensable? Eh bien, salut à tous, Jerry Kamgon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le marketing digital en 2022 est indispensable. Est-ce que vous vous rappelez de Express Union? Il y a des années, Express Union faisait fureur au Cameroun. Ceux qui ne connaissent pas Express Union, c'est une entreprise en fait de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent seulement. Ça se faisait avant de le passer de manière archaïque. Donc, il était question de se rendre dans les agences, de remplir un bon d'euros et puis de patienter pendant des minutes, ça pourrait durer entre 45 à 1 heure de temps, pour pouvoir être servi, ok? Donc, ce processus était très lent et ça ralentissait pas mal les transactions. Il y a pas mal de personnes qui étaient absolument pas du tout satisfaites par ce service-là. Moi-même, j'avais de la peine à aller enlever de l'argent quand je faisais envoyer de l'argent. C'était vraiment très compliqué. Donc, généralement, je faisais recours à une autre agence qui n'était pas très connue parce que là-bas, il n'y a pas assez d'influence et ça permettait facilement envoyer de l'argent, ok? Cette entreprise s'est très vite détrônée par Orange Money MTN. Qui arrivait juste après avec une technologie digitale qui permettait de transférer de l'argent 10 fois plus rapide dans des box Orange MTN et environ 180 fois plus rapide depuis chez soi. Parce que avec son téléphone, on peut transférer de l'argent en 20 secondes maxi. Autant avant, il fallait 45 minutes à 1 heure. Okay? Désormais, en 5 minutes, soit 10 fois plus vite, on peut transférer de l'argent avec Orange Money ou MTN. Parce qu'ils se sont digitalisés en fait. C'est plus facile d'augmenter la rapidité d'une activité si elle est digitale que manuelle, ok? Parce que manuellement, on n'est pas procédural, on est dans l'obligation d'effectuer les tâches une après une. Pourtant, automatiquement, c'est le système en fait, c'est l'ordinateur qui le traite. On a simplement besoin de remplir quelques petites informations et l'exécution des tâches se fait de manière automatique parce que tout a été programmé à la base, ok? Alors, je prends cet exemple simplement pour vous expliquer que d'ici quelques années, eh bien, les business physiques vont vraiment être menacés s'ils ne se familiarisent pas très vite avec le digital parce qu'en fait, grâce au digital, eh bien, plus tard, il n'y aura plus possibilité pour les clients de se déplacer pour aller acheter des produits physiquement, ok? Parce que c'est possible de recevoir des bouchées de jeu sans toutefois se déplacer. Aujourd'hui, je passe environ 95% de mes commandes en ligne, peu importe le produit, et je me déplace à 5% des cas. Vous imaginez un petit peu de rendre compte à quel point les business physiques sont un petit peu en train de perdre la clientèle, surtout en particulier les personnes qui ne se digitalisent pas. Eh bien, s'ils continuent ainsi, ils vont finir par faire faillite, ok? Bon, moi, je fais cette vidéo pour sensibiliser les gens, pour attirer leur attention sur le fait de se former en marketing digital parce que aujourd'hui, j'ai fait une formation qui cartonne énormément dans toute l'Afrique. Il y a des personnes qui ont suivi, qui ont pu les implémenter dans leur business, qui n'étaient même pas des commerçants, qui faisaient des prestations de services, qui ont pu les implémenter dans leur activité et qui ont pu avoir de la visibilité au point d'être accueillis par des clients. Grâce à cette formation, il y a des gens qui font des millions de bénéfices par mois, des millions de chiffres d'affaires qui ont démarré en moins de 6 mois. Certains arrivent à générer 1 million par mois de bénéfices, d'autres font 2 millions, 3 millions, jusqu'à 4 millions de bénéfices au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et il y a également un monsieur, je pense au Bénin, qui a pu s'acheter une voiture et une moto grâce aux stratégies de ma formation. Il y a un autre qui a témoigné, je ne peux plus vraiment me rappeler du pays, il a témoigné avoir généré 15 millions de profits grâce à ma formation en 3 mois si je ne me trompe pas. Donc imaginez la rentabilité que vous pouvez avoir si vous décidez aujourd'hui de digitaliser votre business. Pour les personnes qui n'ont pas de business, il faut savoir que dans ma formation, j'ai listé 4 types de produits que vous pouvez vendre et je vous montrerai également où les trouver. Ok? En étant membre, j'accompagne individuellement chaque membre de la formation. J'accompagne également avec mon équipe parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont rejoint la formation, donc un petit peu saturé. Donc aujourd'hui, mon équipe et moi accompagnons les membres de la formation de manière à ce qu'ils puissent atteindre leur objectif. Et chaque membre de la formation a accès au groupe WhatsApp dans lequel il y a pas mal de membres de la formation qui pourraient également trouver des solutions face aux préoccupations qu'ils vont rencontrer. Donc voilà. Passez à l'action rapidement parce que actuellement ma formation est en promotion et plus le temps passe, le prix augmente, ok? Parce que je mets à jour continuellement. Donc l'idéal serait de passer à l'action le plus rapidement possible pour éviter d'avoir des regrets plus tard. Donc voilà. Ne soyez pas Express Union qui a tardé avant de se digitaliser parce que aujourd'hui, ils essayent avec Express Union Mobile. Je ne connais pas les proches qu'ils utilisent. Enfin, avant, ils étaient considérés comme des leaders dans le secteur actif. D'accord? Bon. Passez à l'action avant qu'il se fasse trop tard. Je vous laisse. C'était Jerry Kamgon. Donc voilà, pour ceux qui doutent toujours de la formation, une fois que vous avez acheté, vous avez accès au lien privé qui vous permettra de lire toutes les vidéos. Donc là, on a les modules et là, on a les vidéos.
Donc, si je clique par exemple sur vidéo, vous pouvez voir, ce sont des vidéos là, par exemple, c'est 16 minutes. Ici, on a une introduction qui vous détaille un peu toutes les étapes pendant 36 minutes. Je fais un résumé de la formation. Ensuite, ici, on a des publicités Facebook. Là, je montre comment créer un business manager. Voilà, c'est une vidéo d'une minute. Ici, je montre comment faire des campagnes, créer des campagnes publicitaires sur Facebook. Dans le deuxième chapitre, je montre tout concernant les audiences, comment faire pour optimiser son budget publicitaire. Et donc, dans la première semaine, j'ai créé une vidéo mise à jour concernant la création du business manager pour aider les personnes qui ont leur compte bloqué. Donc, il y a une vidéo qui répond à tous ceux qui n'ont pas de compte business manager actif. Bien, bonjour à tous. Alors, cette vidéo est une vidéo complémentaire à la création du business manager. Dans la troisième semaine, je parle de WhatsApp, comment. Enfin, je montre toutes les stratégies que j'utilise dans WhatsApp. Ensuite, ici, je montre comment créer les factures, comment faire de la comptabilité. Donc, ces modules sont encore en mise à jour. Ok. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, veuillez passer à l'action tout de suite parce que le prix de la formation va bientôt augmenter. Ok.